La FFMC, c'est quoi ? La Fédération française des motards en colère est une association d'usagers née en 1980 et qui défend les 2 et 3 roues motorisées du cyclo au gros cube. À fin 2010, on compte plus de 7000 adhérents répartis sur 80 antennes en métropole jusqu'à l'outre-mer. Un bureau national est également composé de bénévoles, des différentes antennes et de plusieurs salariés. La FFMC est un mouvement complet, composé de la Mutuelle des motards, créée en 1983 par les motards eux-mêmes, devenue aujourd'hui l'assureur de référence avec plus de 200 000 sociétaires. La Mutuelle est membre du groupement des entreprises mutuelles d'assurance représentant 60% des contrats de 2 roues en France. Elle participe à de nombreux événements et surtout participe au financement de la FFMC. Moto Magazine est l'organe de presse de la FFMC. Motomag est leader de la presse moto avec aujourd'hui plus de 120 000 exemplaires papier par mois et un site internet motomag.com qui accueille plus de 700 000 visiteurs par mois. Motomag a été créé par les éditions de la FFMC, également à l'origine de Rouler n'est pas jouer, livret pour les collégiens, les dossiers de Motomag, des livres, des BD motards, ainsi que les dépliants et les affiches de la FFMC. Pour l'aspect formation, la FFMC a créé l'AFDM. Créée en 1985, l'AFDM a pour but de proposer des stages de perfectionnement aux novices comme aux conducteurs expérimentés. C'est également un réseau de moto-écoles reconnues par la qualité de leur formation. La FFMC Loisirs organise des centres de vacances à thématique motard et organise plusieurs opérations dans l'année, dont l'emblématique des tasses pour un bol, qui emmène chaque année des jeunes à mobylette au bol d'or. Concernant la sensibilisation des plus jeunes, la commission d'éducation routière de la jeunesse en deux roues motorisées intervient en milieu scolaire pour sensibiliser au partage de la route. Ce programme a reçu en 2010 l'agrément de l'éducation nationale. La FFMC dispose de sa propre commission juridique avec des correspondants dans les antennes, qui permet d'aider les adhérents en cas d'accident ou de litige. Elle sert également à faire une veille législative pour analyser les projets de loi avant qu'il soit trop tard. La commission StopVol, elle, teste la résistance et la qualité des antivols pour motos et scooters. Elle distribue guides et conseils pour éviter les vols et concevoir des stationnements adaptés. Pour finir, la FFMC est membre fondateur de la FEMA, qui milite au niveau européen pour la défense des 2 et 3 roues motorisées. Bon voilà, vous savez tout sur la FEDE, alors adhérez si c'est pas déjà fait. Et puis on peut finir la présentation un peu classe, genre... La Mutuelle des motards, Moto Magazine, la FDM, la FFMC Loisirs, la Commission ERJ, la Commission Juridique, la Commission StopVol et la FEMA. La FFMC, plus qu'une association, un mouvement.